Fontanier, c'était très clair. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir dans les questions, justement, sur le type de politique à mener dans un deuxième temps. Pour commencer, une question qui fait écho au dernier point que vous avez abordé. Les emplois perdus dans l'industrie et recréés dans les services ne sont-ils pas moins productifs, moins qualifiés, moins bien payés, bref, assimilables à une fragilisation de l'emploi? Alors, c'est une très bonne question et je vais faire une réponse d'économiste, vous l'attendez, qui est oui et non, bien sûr. Et donc, en réalité, là où cette question est très, très pertinente, c'est qu'effectivement, si vous perdez votre job et que vous faisiez des tâches répétitives, routinières, etc., vous allez retrouver un job de même nature, avec des tâches de même nature, routinières, répétitives, dans les services. Et à ce moment-là, vous avez tout à fait raison, vous allez perdre. Vous allez perdre en salaire. Et ça a été quantifié aux États-Unis. L'ordre de grandeur, les ajustements sont beaucoup plus forts sur les salaires aux États-Unis. En France, on s'ajuste beaucoup plus par le nombre d'emplois. Mais en tout état de cause, aux États-Unis, le déclassement social, c'est que vous perdez 20% de salaire. Si vous étiez employé chez Ford et que sur la chaîne de production de Ford, donc dans l'industrie automobile, et que vous perdez ce job à cause de la mondialisation et que vous retrouvez un job chez Walmart, donc dans la distribution, et si vous donc rangez les produits sur les gondoles ou si vous conduisez donc les petits chariots, etc., eh bien vous êtes dans cette situation où vous allez perdre en salaire dans la proportion que j'ai donnée. Et à quoi c'est dû? Eh bien, c'est dû d'une part à l'explication que vous mentionnez, ces emplois sont moins productifs, vous êtes moins productif chez Walmart que vous n'y étiez chez Ford. Et ça vient aussi à un autre point, c'est que chez Ford, vous étiez très syndiqué. Et donc la FL-CIO était derrière vous pour défendre vos acquis, vos salaires, etc. Alors que on sait bien que dans la distribution, par exemple, les choses sont plus compliquées, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment les perdants de cette mutation vers les services d'une certaine façon, mais ça n'est pas tout le monde. Vous avez aussi beaucoup de jobs qui sont créés dans l'industrie et pardon, dans les services et qui sont des jobs tout aussi productifs que dans l'industrie. Il va y avoir des personnes qui vont faire du code, il va y avoir des personnes qui vont connecter les objets, il va y avoir des personnes qui vont développer de nouvelles solutions techniques pour accompagner la diffusion des produits qui arrivent de Chine, des téléphones que vous utilisez tous les jours. Et ces gens-là, ceux qui font Doctolib et toutes les plateformes qu'on utilise tous, tous les jours, eh bien, ne vont pas du tout être dans la situation que j'évoquais tout à l'heure de déclassement social. Ils vont faire partie globalement des gagnants de la mondialisation. D'où ma réponse oui et non. On a une partie des jobs qui sont recréés dans les services, qui sont vraiment des jobs, disons, qui n'ont pas le niveau de statut social qu'avait un ouvrier chez Ford ou a fortiori un ouvrier chez Volkswagen en Allemagne. Et puis, vous avez une partie des emplois qui sont créés dans les services et qui sont des emplois à très, très haute valeur ajoutée pour des personnes qui seront des vrais gagnants de la mondialisation. Une remarque plus qu'une question, qui permet de rebondir sur ce que vous venez de dire. On nous dit les tâches dans les services ne sont pas que répétitives. Les métiers du soin, aide-soignante par exemple, dans ces métiers-là, pourtant les salaires restent faibles. Oui, alors ça pose une question plus générale d'organisation du marché du travail, ça pose une question plus générale du fonctionnement enfin, des services de santé en France, du fonctionnement des hôpitaux, des niveaux de salaire dans ce secteur, qui sont effectivement des niveaux de salaire faibles et qui ne compensent pas la dureté de ces métiers. Vous savez, on dit toujours qu'il y a des différences de salaire qui sont compensatrices et des différences de salaire qui sont non compensatrices. Eh bien, donc, il y a beaucoup d'emplois dans ces secteurs qui, effectivement, sont des emplois qui correspondent à une forme de qualification, qui ne sont pas des emplois répétitifs, qui sont des emplois dans lesquels il faut avoir de l'empathie, etc., et qui ne peuvent pas être remplacés par des robots, en tout cas pas encore. Les essais qui ont été faits n'ont pas bien marché, et qui ne sont pas délocalisables,
et qui pourtant sont des emplois avec des salaires bas. Donc ça vient de notre organisation globale, notamment des services de santé. Et je pense que c'est un point qui est assez indépendant de la mondialisation, puisque ces emplois-là ne sont pas des emplois qui sont exposés. Vous évoquez les travaux de David Autor dans votre ouvrage, vous l'avez rappelé ici. Est-ce qu'en France, il y a des travaux aussi poussés? Et est-ce qu'on pourrait dire que le profil des gagnants et des perdants en France ou en Europe est identique à celui des États-Unis? Alors effectivement, j'ai cité David Autor parce que c'est le premier qui a fait ça. En France, ça a été fait par exemple par Clément Malgouir, qui est quelqu'un qui est aujourd'hui à l'École d'économie de Paris, qui était auparavant à la Banque de France, et qui a fait des travaux de même type. Et donc le chiffre que je donnais tout à l'heure de 88 000 emplois, c'est un chiffre qu'il a trouvé. Donc ça a été fait. Et le point, si on rentre un peu dans le détail des jobs concernés, etc., c'est qu'en bas de la distribution des salaires en France, on a un effet salaire minimum qui est très, très différent de ce qu'on a aux États-Unis. Donc, on va avoir un ajustement par le nombre de jobs offerts qui va être plus grand en France, alors qu'on va avoir un ajustement salarial qui va être plus grand aux États-Unis. Mais d'une façon générale, le salaire minimum a protégé les salariés qui étaient dans les tranches de salaire les plus basses en France. Et donc, ça, c'est une limite à la transposition des conclusions qu'on obtient sur le cas américain au cas français. Mais en tout état de cause, quand on essaye d'identifier les perdants, qu'ils perdent en salaire, ou qu'ils perdent en emploi, ou qu'ils perdent en opportunité, tout simplement, le profil est toujours le même. C'est le profil que j'ai déjà évoqué par rapport aux tâches routinières et répétitives. Alors, comme on pouvait s'y attendre, beaucoup de questions sur les politiques, sur ce qu'il faut faire pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le plus de gagnants possible. Je vous en livre quelques-unes. Comment mieux protéger les perdants de la mondialisation, par exemple? Comment réduire l'impact de la mondialisation au niveau local dans les bassins d'emploi les plus touchés? Par exemple, est évoquée aussi la question de la mobilité géographique. On pourra y revenir ensuite. Voilà, donc c'est trois questions importantes qui se recoupent en fait. Le fond du sujet, c'est que les emplois qui sont détruits sont recréés globalement. Hein. Je l'ai dit. Les économistes qui s'enthousiasment en disant la mondialisation crée beaucoup d'emplois, etc., tout comme ceux qui disent la mondialisation détruit beaucoup d'emplois, ne correspondent pas en fait à la réalité statistique que nous avons. Ce qui crée des emplois, c'est un bon fonctionnement du marché du travail. Ce qui détruit des emplois, c'est un mauvais fonctionnement du marché du travail. Ce qui crée des emplois, c'est beaucoup de croissance. Ce qui détruit des emplois, c'est pas assez de croissance par rapport aux entrées sur le marché du travail. Donc, le point qui est très important, c'est de comprendre cela. En fait, on n'a pas tant un effet global sur l'emploi que donc une mutation des emplois, et ça c'est la même chose que le progrès technique, et aussi le fait que les emplois qui sont détruits ne sont pas recréés au même endroit. Les emplois qui sont détruits dans certaines zones d'emploi ne sont pas recréés dans la même zone d'emploi, ils sont créés dans d'autres zones d'emploi. Et ça, c'est bien le sens de la deuxième question sur l'impact local, comment réduire l'impact local. Eh bien, ce qui pourrait réduire l'impact local, mais les politiques économiques pour le faire sont très, très compliquées, c'est d'avoir des zones d'emploi qui sont plus diversifiées, puisque le point important, c'est que très souvent, dans une zone d'emploi, vous avez une usine qui ferme, deux usines qui ferment, donc c'est très repris dans les médias. On a quelques exemples très, très récents en tête, dans l'industrie du pneumatique, par exemple, ce genre de choses. Eh bien, ce qui se passe, c'est que tous les salariés qui étaient dans la même usine, d'une certaine façon, pour faire vite, vont se retrouver à la recherche d'un emploi. Et donc, la mobilité géographique est très difficile pour eux, parce que s'ils habitent tous dans le même quartier, par exemple, eh bien, ils vont tous vouloir, supposer qu'ils retrouvent un emploi ailleurs, vendre leur logement.
S'ils sont propriétaires, et donc leur logement vaut zéro, puisqu'ils veulent tous partir en même temps. De la même façon, s'ils ne sont pas propriétaires, mais s'ils bénéficient d'un logement social, comme vous savez, un logement social, comme vous l'avez, vous n'avez pas forcément envie de quitter parce que ce n'est pas facile d'en retrouver un autre, surtout si vous changez de ville. Et puis, il y a un troisième élément, c'est que le fonctionnement du marché du travail, ça compte aussi, ça joue aussi en termes de réseau. Ce qui compte, ce sont les réseaux interpersonnels, les connaissances que vous avez. Et ces connaissances que vous avez, ce réseau que vous avez, il est très souvent à un niveau assez local. Et donc, si vous partez de la région dans laquelle vous êtes, eh bien, vous avez moins de chances de trouver dans une autre région ou dans une autre zone d'emploi. Ce n'est pas continu, tout simplement parce que vous n'en avez plus ce réseau. Et donc, ça ajoute, sans même parler donc dans les ménages de la difficulté pour le conjoint de suivre ou de retrouver un emploi, etc. Tout ceci fait que la mobilité sur le marché du travail est freinée par des éléments qui sont très, très difficiles. Donc, il y a un problème d'assurance des travailleurs, d'une certaine façon, un problème d'assurance des salariés, assurance de retrouver, pas juste un emploi, mais assurance de retrouver aussi un logement dans de bonnes conditions, d'arriver à revendre leur logement. On voit bien qu'il ne s'agit pas simplement de dire « Eh bien, on va vous former à un nouveau métier. Vous étiez donc sur une chaîne de production automobile qui fabriquait des moteurs thermiques et donc votre emploi va disparaître parce que maintenant les moteurs sont électriques. » Donc, il ne s'agit pas simplement de dire « On va vous former à faire autre chose. » Il faut aussi donner les clés pour que la mobilité géographique puisse se faire, ce qui effectivement est très, très, très difficile. Et donc, ce que l'on voit aussi dans toutes les études, je n'ai pas eu le temps d'en parler, dans tous les travaux empiriques qui ont été faits, c'est que la croissance est très localisée. C'est-à-dire, la croissance se produit dans des zones qui sont très agglomérées. Les zones qui sont très agglomérées sont plus productives et la mondialisation, comme le progrès technique, ont tendance à détruire des emplois dans les zones qui sont moins agglomérées et à créer des emplois dans les zones qui sont plus agglomérées. Et donc, ça crée une distorsion toujours plus grande dans les opportunités qu'il y a dans les différents territoires. Il y a des territoires dans lesquels vous n'avez pas de taux de chômage, et puis, enfin, pas de taux de chômage, au-delà du chômage frictionnel, et puis vous avez des territoires dans lesquels les taux de chômage dans certaines tranches d'âge de la population sont absolument terrifiants. Si vous regardez, c'est sur le site de l'INSEE, c'est assez facile à faire, par tranche d'âge de la population, les taux de chômage dans certaines villes, enfin, dans certaines zones d'emploi du nord de la France, vous allez voir des chiffres absolument terrifiants. Vous avez une chose sur deux des taux de chômage si vous êtes jeune. Et puis, vous prenez d'autres zones d'emploi. Ce n'est pas juste, par exemple, Saclay que j'évoquais tout à l'heure. Si vous prenez des zones d'emploi dans lesquelles il y a une dynamique industrielle qui est encore forte, on a l'habitude de citer les Herbiers en Vendée, qui est une zone d'emploi bien connue à cause de la fabrication des bateaux de plaisance. Et puis, c'est aussi l'endroit, je crois, où le taux de chômage est un des plus bas de France. Il y a un cluster d'entreprises industrielles qui font différentes choses, que j'ai indiqué, puis d'autres choses aussi. Et c'est une zone d'emploi très, 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 très dynamique et qui s'est agglomérée autour d'un certain nombre de compétences très, très spécifiques. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas dans cette zone d'emploi, si vous perdez votre job ailleurs, eh bien, en théorie, il faudrait bouger. En pratique, je vais expliquer pourquoi c'est effectivement assez difficile. Donc, il y a des politiques économiques auxquelles tout le monde pense, c'est-à-dire qu'il faut donner les clés pour s'adapter à la mondialisation, ce qui était aussi ma conclusion tout à l'heure. Et donc, ça passe par l'éducation générale, ça passe par beaucoup de choses. Mais il y a aussi tout un problème d'accompagnement des chômeurs qui retrouvent un emploi lorsqu'il s'agit de bouger d'une région à l'autre. Et là, l'imagination des politiques économiques ne manquant pas, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être faites. Un problème de formation continue, alors, probablement en France. Alors, il y a le problème de la formation continue, il y a le problème de l'apprentissage, il y a le problème de l'adéquation des formations professionnalisantes des jeunes à la réalité du marché du travail. Enfin, il y a tout un ensemble de sujets qui ont trait à l'éducation initiale et à la formation permanente. Et puis, il y a tout un ensemble de sujets qui sont liés aux autres éléments que je mentionnais, logement social, etc., etc.
Alors, de nombreuses questions qui font écho un petit peu à l'actualité. Faut-il relocaliser? Quid des politiques industrielles pour essayer de réindustrialiser la France? Faut-il un SMIC européen aussi? Donc, en lien avec toutes ces questions qui font écho à l'actualité, qu'en pensez-vous? Alors, première question, faut-il relocaliser? Alors, ça dépend parce qu'on ce qu'on entend par relocaliser. Imaginons par exemple qu'on veuille faire revenir des pays à bas salaire, ça n'est plus forcément la Chine, maintenant ça peut être le Vietnam, le Bangladesh, enfin voilà, on dit Chine pour faire vite, mais en fait c'est évidemment beaucoup plus compliqué. On importe beaucoup de produits technologiques de Chine, comme chacun sait, et donc les vêtements, etc., c'est de plus en plus d'autres sources. Mais en tout état de cause, qu'est-ce qui va se passer si on veut relocaliser un certain nombre de productions qui donc étaient concurrencées par des pays à bas salaire? On peut le faire dans beaucoup de cas, mais quand on va le faire, eh bien, on va se trouver confronté à la problématique que j'évoquais tout à l'heure. Les tâches qui ont été délocalisées, en quelque sorte, sont des tâches qui peuvent être robotisées. Donc, quand on va rapatrier les usines, on ne va pas utiliser le même contenu en travail dans la production que ce qui est utilisé dans les pays à bas salaire. Quand on va rapatrier les usines, on va effectivement avoir un contenu en travail qui va être très petit et on va très largement robotiser. Et les emplois qui seront créés pour accompagner cette robotisation, pour maintenir le site, pour programmer les robots, etc., seront des emplois à très haute valeur ajoutée, seront des emplois qui iront nourrir les opportunités pour les gagnants qu'on a évoqués précédemment. Donc la relocalisation en soi ne recréera pas les emplois qui sont partis. On peut relocaliser un certain nombre d'activités. On le fera probablement pour deux raisons. La première raison, c'est que les entreprises se sont aperçues que lorsqu'il y avait des chocs importants sur l'économie mondiale, eh bien, la très grande longueur des chaînes de valeur, la très grande complexité des chaînes de valeur était un élément de fragilité. On s'en était aperçu au moment de Fukushima. Vous vous rappelez qu'au moment de Fukushima, il y a un constructeur français d'automobile qui s'est trouvé à court de vis ou de boulons, tout simplement parce qu'il y avait donc une pièce de ce type qui était fabriquée au Japon et au Japon seulement, et qui était spécifique à ce constructeur et à ce type de modèle de voiture. Eh bien, suite à la catastrophe, la chaîne a dû s'arrêter parce que ce n'était pas possible de retrouver comme ça, d'une semaine à l'autre, un fournisseur de ce type de produit. On a eu la même chose avec les inondations en Thaïlande. Et puis, évidemment, on a eu la COVID qui nous a montré aussi que des chaînes de valeur complexes pouvaient être fragiles. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que les consommateurs préfèrent les circuits courts et vont le faire savoir. Donc, les distributeurs de produits vont être obligés de raccourcir certains circuits. Et puis, en même temps, les coûts de transport sont en train d'augmenter au niveau mondial, sans qu'on sache si c'est conjoncturel ou structurel. C'est probablement un petit peu les deux à la fois. Et donc, tout ça va faire en sorte qu'un certain nombre d'activités vont revenir, entre guillemets. Mais ces activités qui vont revenir seront des activités qui seront très largement robotisées. Donc, ce n'est pas ça qui va régler le problème d'emploi des salariés qui sont sur des niveaux de qualification et de métiers qui, d'une certaine façon, sont en train de disparaître. Voilà. Donc, il y avait une deuxième partie dans la question que j'ai oubliée parce que je n'ai pas eu le temps de la Oui, traiter. il y avait une partie sur la politique industrielle. Est-ce qu'il existe une politique industrielle à mettre en œuvre? Et quelqu'un pose la question du SMIC européen. Voilà. Alors, sur la politique industrielle, c'est un sujet de dissensus entre économistes assez régulier, puisque d'aucuns pensent que la politique industrielle va régler les choses, d'autres pensent qu'il faut surtout pas s'occuper, faut pas que l'État s'occupe de faire mieux que le marché parce qu'il n'a pas les informations. En réalité, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il y a un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs technologiques risqués, dans lesquels le rendement social de l'investissement est supérieur au rendement privé en raison du risque très très élevé d'échec des tentatives. Et donc dans ces secteurs-là, il est utile d'avoir un soutien public. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est tout à fait prévu au niveau communautaire.
au niveau européen. Il est tout à fait possible de soutenir un certain nombre d'industries. Il y a des critères dans lesquels je n'ai pas le temps de rentrer, mais c'est tout à fait possible à partir du moment où donc l'objectif est bien celui que j'évoquais. Donc, les politiques industrielles peuvent être utiles quand elles sont ciblées sur les bons secteurs. La difficulté étant que l'État n'a pas les informations pour choisir les bons secteurs, parce que là, il s'agit d'investir dans des secteurs d'avenir. Et donc, comment ça se passe en général? Eh bien, on crée des commissions qui vont réfléchir et on fait venir des industriels dans ces commissions pour qu'ils nous parlent des secteurs dans lesquels ils travaillent et pour qu'ils voient quelle est la prospective de ces secteurs. Et en général, ça ne marche pas très bien, puisque l'information qui remonte est une information qu'on aurait pu identifier sans réunir ces commissions. Si vous mettez les fabricants de TGV dans la pièce, ils vont vous expliquer qu'il faut fabriquer des TGV. Donc, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et donc, ce n'est pas très, très efficace. Mais ce n'est pas très grave, parce qu'il y a quand même un certain nombre de régularités que tout le monde a parfaitement identifiées. Il aurait fallu investir plus dans les biotech en France, par exemple, on s'en rend compte aujourd'hui, mais ça fait 20 ans que les économistes disent qu'il faut soutenir le secteur des biotech en France. Et ça fait 20 ans qu'on ne le fait qu'un tout petit peu. Et les résultats sont ceux qu'on a aujourd'hui. Il y a d'autres secteurs comme ça dont on pourrait parler. Donc, il y a des régularités qu'on identifie assez facilement. La difficulté à ce moment-là, même si le gouvernement, quel qu'il soit, veut conduire une politique industrielle française ou européenne, c'est d'identifier donc les projets. Et donc là, une fois qu'on a identifié le secteur, cette fois, c'est important de s'appuyer sur le secteur privé et sur un cofinancement du secteur privé pour faire remonter les projets et avoir un engagement du secteur privé. Et donc jusque-là, tout va bien. Là où les choses se compliquent, c'est quand ça ne marche pas. Et les grands projets, qui sont des projets risqués, par définition, c'est des projets qui échouent la plupart du temps. Et donc, la difficulté pour l'État, pour n'importe quel gouvernement, c'est à ce moment-là d'arrêter ce qui ne marche pas. Une entreprise privée, elle lance 10 projets. Sur les 10, il y en a 9 qui ne marchent pas. Elle arrête les 9 premiers et elle se développe sur le 10e. Et puis ensuite, elle recommence, etc. Maintenant, si l'État lance 100 projets et si les 100 projets sont répartis dans les différentes régions françaises, etc., c'est beaucoup plus difficile d'arrêter un projet dans une région en disant ben, ce projet ne marche pas, j'arrête de le financer. Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir un impact très clairement identifié sur le marché local. Vous allez avoir les autorités au niveau régional qui vont dire, mais attendez, vous allez supprimer des emplois chez nous, etc. On pourrait peut-être financer encore un an de plus, et voilà. Et donc, c'est très difficile pour l'État d'arrêter ce qui ne marche pas. Et ça, c'est la grosse difficulté de la politique industrielle. Donc, vous voyez que je n'ai pas une position rigide là-dessus. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en faire. Je suis en train de dire qu'il faut probablement en faire dans un certain nombre de secteurs d'avenir. La difficulté, c'est de le faire bien. Donc, il y a des pays qui arrivent à le faire assez bien, et puis il y a des pays qui arrivent à le faire plus difficilement. Et donc, les cofinancements privés-publics, c'est en général une garantie que ça fonctionne bien, mais il faut aller plus loin dans la capacité à évaluer, pardon, ce qui a été fait et à être capable d'arrêter ce qui ne fonctionne pas. Le sujet européen, je n'oublie pas la question. Oui, peut-être juste avant, une question est arrivée sur le plan de relance français en lien justement avec cette question de la réindustrialisation de la France, de la politique industrielle. Que pensez-vous de ce plan de relance? Ce que je pense, c'est qu'il est très bien, c'est très bien qu'il y ait eu un plan de relance. C'est très bien que ce plan de relance comporte des investissements. C'est encore mieux que ce plan de relance comporte une partie qu'on pourra juger suffisante ou pas sur l'économie verte, hein, on va dire, pour faire vite, donc sur des sujets qui ont des conséquences environnementales positives. Et donc ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de regarder dans la durée, d'évaluer dans la durée, quels sont les résultats de ce plan de relance. Pour l'instant, il est trop tôt pour en parler. Ce qui est évident, c'est que les politiques de soutien de l'économie qui ont été employées en France sont des politiques qui ont été assez bien ciblées, contrairement éventuellement à d'autres pays. On a travaillé au niveau européen en comparant ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui s'est passé en Italie, ce qui s'est passé en France, etc. Et ce qu'on a vu,
c'est que les politiques françaises, que ce soit les prêts garantis aux entreprises ou les dispositifs d'accompagnement en termes de chômage partiel, etc., ont été assez bien ciblés et qu'en particulier, il y a eu assez peu d'effet d'aubaine, c'est-à-dire que la proportion des entreprises qui ont reçu des financements et qui étaient des entreprises qui étaient en très grande difficulté, donc qui auraient dû disparaître d'une certaine façon s'il n'y avait pas eu ces financements, n'est pas grande en France. Donc, il y a eu assez peu d'effets d'aubaine. Et donc, le parti pris qui a été fait en termes de politique économique, c'est d'accepter l'hypothèse de ces effets d'aubaine de toute façon, parce qu'on ne pouvait pas attendre. Et il valait mieux qu'il y ait quelques effets d'aubaine plutôt qu'une catastrophe économique qui a été évitée. Donc, je signale à nos auditeurs et aux participants à ce débat donc le rapport donc, qui a été dirigé par Benoît Cœuré, qui se trouve sur le site de France Stratégie, qui est le rapport d'évaluation donc, des dispositifs qui ont été pris au niveau donc, du soutien de l'économie française à partir du moment des confinements, et qui donne tout le détail sur qui a reçu des fonds, combien, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de la productivité de l'entreprise, etc. C'est extrêmement bien fait. Ça a été fait en appariant toutes les données administratives dont on dispose. Et ce rapport dresse un diagnostic finalement assez positif de ces politiques, alors que dans les pays voisins, on voit qu'il y a eu plus d'effets d'aubaine. Il y a des entreprises en plus grand nombre qui ont été soutenues, qui n'auraient finalement pas été soutenues dans un temps normal. Et donc, ce qui va poser un problème quand on arrête ces dispositifs, puisqu'à ce moment-là, les faillites pourraient augmenter. Ce n'est pas quelque chose qui semble s'être produit dans les mêmes proportions en France. Alors, il y avait une question sur le SMIC européen. Faut-il un SMIC européen? J'aurais tendance à dire que oui. C'est le sujet du niveau du SMIC européen qui est important. Et donc, avoir un SMIC européen, ça ne veut pas dire que le SMIC est le même dans chacun des pays européens. Et le SMIC ne peut pas être le même dans chacun des pays européens parce que la productivité n'est pas la même dans chacun des pays européens. Donc, il faut bien comprendre, et les économistes qui nous écoutent le comprennent, qu'au fond, on est payé à sa productivité. Donc, si votre productivité, quand une entreprise veut employer un salarié, elle va regarder combien le salarié va amener de valeur ajoutée à la marge dans son entreprise. Et donc, le salarié va apporter, par exemple, dans l'entreprise 20 000 euros de valeur ajoutée à la marge par rapport à une situation où l'entreprise n'aurait pas employé ce salarié. Donc, ces 20 000 euros, c'est la valeur ajoutée marginale et donc ça va correspondre au salaire, enfin, salaire chargé, etc., donc au coût de cet emploi. Donc, si le salarié apporte 25 000 euros et si vous avez des salaires qui sont au niveau de 20 000 euros, vous allez en employer un, puis deux, puis trois, etc. Et le problème, c'est si le salarié a une productivité de 10 000 euros et que le salaire que vous devez lui verser est un salaire de 20 000 euros. Et donc là, évidemment, une entreprise bien gérée ne va pas employer ce salarié. Donc, si vous gardez ce schéma en tête, dans lequel le salaire, ça doit être votre productivité, eh bien, il faut dégager une productivité suffisante pour arriver au niveau du SMIC ou du salaire minimum. Voilà. Et donc, le niveau de productivité n'étant pas le même dans chaque pays européen, en particulier pour les bas salaires, eh bien, c'est évidemment nécessaire d'avoir un salaire minimum, à mon sens en tout cas, dans chacun des pays européens, mais ça serait déraisonnable de penser que ce salaire minimum doit être au même niveau dans chacun des pays européens. Ça dépend du niveau de productivité pour les salariés qui sont voisinage du salaire minimum dans chacun des pays européens. Une question qui permet de rebondir là-dessus, puis ensuite j'aimerais vous interroger sur les politiques protectionnistes, question que vous abordez à la fin de l'ouvrage, mais tout d'abord quelqu'un pose la question des gains de pouvoir d'achat aux États-Unis, sont-ils moindres du fait de la structure oligopolistique, voire les travaux de Thomas Philippon? Voilà. Alors, aux États-Unis, on trouve des ordres de grandeur qui sont à peu près équivalents. Alors après, c'est des dollars, pas des euros, les méthodes de calcul comptent, etc. Mais les travaux de Thomas Philippon ne remettent pas en cause les gains de pouvoir d'achat.
Maintenant, ce qui se passe, c'est que les gains de la mondialisation ont été répartis de façon différente entre le travail et le capital, pour faire vite, aux États-Unis et en Europe, et en particulier aux États-Unis et en France. Je vous rappelle les chiffres que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous prenez la valeur ajoutée, donc c'est la richesse qui est créée par l'activité économique, et comment cette valeur ajoutée a été répartie au cours du temps, eh bien, vous voyez que c'est la part qui va au capital s'est élargie aux États-Unis, hein, puisque celle du travail a baissé. On l'a dit tout à l'heure, aux États-Unis, ça a baissé de 7 points. Donc, si ça a baissé de 7 points pour le travail aux États-Unis, ça veut dire que la partie du capital a augmenté. Donc, ça veut dire que les bénéfices de la mondialisation aux États-Unis ont été tournés moins vers le travail et un peu plus vers le capital qu'ils ne l'ont été en France, où la part des salaires donc dans la valeur ajoutée a augmenté, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Pardon. Et ceci indépendamment de la structure oligopolistique aux États-Unis, de toute façon. J'aurais voulu vous interroger dans les minutes qui restent sur une question qui risque d'être abordée comme celle des politiques industrielles d'ailleurs au moment de la campagne électorale, qui est celle des politiques protectionnistes sur leur opportunité pour essayer de faire plus de gagnants dans la mondialisation. Alors, la première chose à rappeler si la question est posée, c'est que la France n'a pas la main sur la politique commerciale. La politique commerciale est une prérogative européenne et les décisions se prennent à la majorité qualifiée. Donc, chacun voit ce que ça veut dire et chacun voit quels sont les équilibres politiques en Europe par rapport à ces situations. On voit bien que le sentiment de certains pays nordiques ou de nos amis allemands va être éventuellement assez différent du sentiment français par rapport à la politique commerciale. Et donc, la politique commerciale européenne, c'est finalement le point d'atterrissage de ces sentiments différents, tels que chaque pays trouve finalement son intérêt. Et c'est la raison pour laquelle on a encore un niveau de protection assez élevé dans l'agriculture, alors qu'on a un niveau de plus grand libre-échange, disons, dans l'industrie. Il faut voir qu'en Europe, le niveau moyen de protection est inférieur à 5%, donc le droit de douane moyen en Europe est de moins de 5% et il est de plus de 15% pour la partie agricole. Donc on voit l'illustration du propos que j'évoquais. Alors, à supposer qu'on veuille faire du protectionnisme, est-ce qu'on devrait remettre des droits de douane? Eh bien, remettre des droits de douane, c'est accepter de payer plus cher ce qu'on payait moins cher. Donc, est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce qu'on a envie de perdre du pouvoir d'achat en faisant cela? La réponse est plutôt non. Donc, la bonne question, c'est est-ce qu'on crée des emplois en se protégeant? Alors, la réponse à ça est non. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une politique commerciale active. Et la politique commerciale active, qui est quelque chose que fait la Commission européenne très, très largement, c'est de ne pas accepter que les produits qui ne respectent pas les règles de concurrence minimales entrent en Europe. Et on réfléchit aujourd'hui aussi, vous savez, à la question des contenus carbone, ce qui ferait l'objet d'un autre débat d'une heure. Mais simplement sur les questions de dumping, puisqu'il s'agit de cela, eh bien, quand il y a des produits qui arrivent en Europe et qui sont des produits qui ont été fabriqués dans des situations de dumping, c'est-à-dire qui sont vendus à des prix qui sont inférieurs au coût de production, eh bien, il y a des droits compensateurs qui sont mis par l'Europe, il y a des droits anti-dumping qui sont mis par l'Europe, qui sont là pour 5 ans, qui sont mis après des enquêtes, qui touchent les entreprises qui se comportent mal, qui sont souvent des entreprises chinoises, mais pas uniquement. Et donc, il y a là des instruments de défense commerciale, c'est ce qu'on considère comme étant très, très important à Bruxelles, et c'est le cas, qui protège les entreprises de la concurrence déloyale. Donc ça, c'est très, très bien, et ça, il faut l'utiliser à fond. Et donc, ce qui a été mis en place au niveau européen avec la nouvelle commission, donc avec Ursula von der Leyen, c'est une situation dans laquelle on a maintenant une personnalité en Europe, je ne rentre pas dans le détail des titres, etc., mais qui est chargée de la mise en œuvre de la politique européenne. Et donc, son travail à 100%, il y a l'équivalent aux États-Unis, c'est de regarder que nos partenaires commerciaux se comportent bien du point de vue que j'évoquais, qu'ils ne font pas de dumping, mais aussi qu'ils
mettent en application les engagements qu'ils ont pris quand ils ont signé des accords avec nous. Et donc ça concerne l'accès de nos propres produits au marché étranger. Donc l'exemple par exemple du champagne, hein, qui avait des difficultés pour accéder au marché russe, eh bien voilà, c'est vraiment le type de sujet dont s'empare donc cette nouvelle fonction pour s'assurer que finalement les produits européens participent à la concurrence internationale. L'idée n'est pas de se protéger a priori, l'idée est de laisser fonctionner les forces de la concurrence, mais à condition que tout le monde joue fair play et donc que les marchés soient ouverts pour les produits européens, autant qu'on a négocié qu'ils le soient, et que les produits qui arrivent en Europe ne soient pas des produits qui soient fabriqués dans des conditions de dumping, mais aussi de dumping social, qui ne soient pas des produits qui soient fabriqués par des prisonniers politiques, etc., etc. Donc tous ces éléments sont des éléments qui font partie des éléments de politique commerciale défensive, et c'est ça qui est très très important, beaucoup plus que de réfléchir à un protectionnisme à l'ancienne, d'une certaine façon, qui ne produit pas des effets positifs. Eh bien, je vais vous remercier, Lionel Fontanier, de cette présentation. J'espère que ça aura donné à beaucoup de monde l'envie d'aller lire votre ouvrage dans le détail. Merci à tous les participants et une excellente soirée à tous et toutes. Merci pour la qualité des débats et la clarté des explications. Merci et rendez-vous pour un prochain temps de Melchior M. Bonne soirée à tous. Merci Lionel et merci Vincent.